un droit primordial spécifique qui s'applique également aux auteurs des dites œuvres. C'est le droit de suite. Il signifie que l'auteur d'une œuvre graphique ou plastique doit être financièrement intéressé au produit de toutes les reventes de son œuvre. It's very timely, we believe, to consider now the question at the international level of the resale right. It's timely in the first place because all the available evidence suggests that there has been a considerable expansion and globalization of the art market. In 2015, global art sales came to around $63 billion. The resale right is a very important right for visual artists, first of all because of the economic importance of the right. It's a source of income for many visual artists around the world. The right exists in 80 countries, but it still does not exist in many important art markets like the US, like China, like Japan. And we would like to promote international recognition and adoption of the right so that visual artists can benefit from the right wherever they are. Ces histoires de resale right nous aident à passer des moments irréguliers. On n'est pas des salariés, on n'est pas des fonctionnaires, on a un travail, on n'a pas de retraite, comme j'ai dit. Il faut donc qu'on se défende ensemble. When countries implement resale rights, it goes anywhere from 2% to 5% of the sale price of an item. So there's quite a lot of money at stake. It's not great if one country implements it and another doesn't, because there's always the fear that sellers will take their items, sell their paintings in places where it's not implemented. It's cheaper for them. Je n'ai jamais rencontré aucune réticence pour un vendeur de payer le droit de suite. En général, c'est le vendeur qui va s'acquitter du droit de suite. Et il est souvent assez, je ne dirais pas content parce que c'est quand même un montant à payer, mais il comprend totalement et le fait souvent avec plaisir. Une instauration internationale du droit de suite qui permettrait à tous les artistes, à toutes les successions de pouvoir bénéficier de ce droit pour pouvoir nourrir leur œuvre. If there's no artists, there's no artworks. If there's no artworks, all of us were out of job. So it's time to give respect and to acknowledge that we are all getting our living out of the work of somebody else, and that is the artist. Pour moi, c'était très important d'être à cette conférence pour défendre les droits de suite, pour inciter les pays qui ne sont pas encore signataires des droits de suite de le signer très vite.